Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 3 sur Resident Evil 6, sur la campagne de Sherry Birkin et de Jake Muller. Dans la dernière vidéo, eh bien nous avions vécu un moment qu'on avait déjà vu dans la campagne de Chris, puisque, pour rappel, hein, la subtilité de ce Resident Evil 6, c'est que nous avons des chapitres qui s'entremêlent à certains moments, et donc forcément, eh bien, on revit des passages que nous avons déjà vécu sur d'autres campagnes, mais par moments à des points de vue différents. Et là, en l'occurrence, bon, c'était pas forcément un point de vue différent, puisque on avait le cas où il y avait les deux armes biologiques en Edonie, les sortes d'El Gigante, enfin les trolls géants là. Et on était avec le BSA pour tenter de les détruire. Et ce faisant, eh bien, déjà on s'est refait un petit peu en munitions puisqu'on commençait à en manquer. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis, donc, on avait vu donc dans la campagne de Chris que Jake et Sherry partaient avec d'autres équipes du BSA en hélicoptère. Et eh bien pendant que Chris et Pierce vont suivre leur aventure, eh bien nous on va voir ce qui s'est passé pour Jake et Sherry justement. Hélicoptère, très très bien. C'est parti. On y va, on ne perd pas de temps. Chose. Monsieur Muller demande une compensation pour sa coopération. 50 millions de dollars. Oui. D'accord. Bon, on va passer la cinématique, hein. Voilà. Donc, on se fait. Et c'est pas on se fait. Alpaguer, on va dire. Combattez l'Ouslanak sans vous écraser. Je ne donne jamais. Ah, alors je crois que vous nous souvenez. Oui. Je suis payé 50 millions. C'est un vrai premier secours en prend. De souvenir, il y avait tout. Vous en avez fait vous deux, hein. Désolé, je ne voulais pas vous mettre en danger. Ouais, bah je sais pas comment t'es payé, dans mon avis. Certainement pas assez. Bon, il pop hein, à que 2-3 endroits différents. Oula, par contre, Sherry là, elle s'est pris une bonne petite patate. Il s'agirait de pas trop gâcher les munitions quand même. Qu'est-ce que vous attendez? Merci.
Donc vous l'aurez compris, hein, Lutamax en a après Jake. Ah oui, il est une sorte de Gatling, quoi. Ah bah ça a été... c'est un peu, on peut dire, ouais, très vite fait pompé sur les Mésis. Allez, là, on se met, on branle, enfin on joue, je vais dire on branle. Ah, est-ce qu'ils nous envoient des... Ça commence à devenir tendu, même pour moi. On peut pas subir une autre attaque. On va détruire ces missiles. On va détruire entre les lignes avant cette destruction. Allez, refroidis. Arrête de bouger, enfoiré. Mets-le en difficulté, avale les deux hélicos. Ah, il faut vite tirer sur les hélicos. Bon, tout va bien. Ah, il est allé sur le dernier. Ah, le problème c'est qu'il vise pas aussi, donc Putain, c'est un coup, il vise en haut, en fait tu sais pas où il s'est visé, quoi. Toi un hélicoptère, connard. Voilà. Des parachutes. Ah, raté. Ah non, je l'ai eu. Pourtant, il me semblait qu'on avait raté la vidéo. Ok, fin du chapitre 1. Argent comptant, petit trophée. Alors on va peut-être changer... Ah, on peut pas faire de... Genre on peut pas trouver plus de munitions pour l'arme de poing en fait. C'est obtenir 1500 kills avec des armes de poing. On a pas obtenu. D'accord. Non, bah écoutez. Bah, très très bien. Éventuellement est-ce qu'on peut améliorer ça? Non. Bah très bien, on a rien à faire du coup. Allez, passons à la suite. Donc on a réussi à choper un parachute. Et on s'est écrasé un petit peu en catastrophe, mais on n'est pas mort. Qu'est-ce que je fais?
Tire-le. Non, tu te viderais de ton sang. Fais-le. Je t'aurais prévenu. Tester des vaccins. Ils l'ont déjà fait. Au-delà du supportable. Qu'est-ce que tu fais? On n'a plus de données. Quelles données? Les tiennes! Tes analyses de sang! Ton génome! Tout ce qu'il nous faut pour élaborer un vaccin! Non! Tu veux dire tout ce qu'il me faut pour avoir mes 50 millions? Bon. Viens, Supergirl. On va les chercher. J'ai sauvegardé tes informations sur des puces électroniques. On doit les trouver. En pleine tempête de neige? Tu veux vraiment que je mérite mon salaire, toi? Très bien, donc voici où on est. On va aller à la chasse aux données, puisque on a égaré les données, hein. Et si Jake regarde, de 50 millions, il y a une cabane là-bas. Enfin un peu de chance. Bon, on va d'abord trouver les données, puis on va s'abriter. Alors, ces données qu'on doit trouver, elles me concernent, hein. Il y a 3 puces en tout. Je les ai perdues dans le crash. Le capteur nous indiquera la position de chacune. Ok, on trouve ton matos, et ensuite on se tapera un bon café bien chaud. Ok, donc là, petite particularité, c'est que nous avons une mini-map qui s'est affichée, puisque on n'a pas de map hein, dans cet opus-là. Mais pour cette phase-là, exceptionnellement, on aura une. Et je vous le dis, on ne sera pas tout seul. Alors vous voyez qu'il y a une arme à aller chercher, il y a une autre. Et il y a 3 clés, donc 3 données à rechercher. Un fusil sniper. Ça va nous être utile. Alors, on commence par où? On commence par où? Celle à 40 mètres. Ah oui, non, elle est juste là. Donc, il va falloir faire le tour pour aller la chercher. Et le problème, c'est que voilà, avec ce blizzard, hein, si on peut appeler ça comme ça, eh bien, ça va. Ça va pas. Mon Dieu, c'est quoi ces choses horribles? Ah. Ce sont des javots. Ils se trouvent dans un cocon. Voilà. Pas joli. Bah, faut voir. Je suis ravi d'être immunisé contre ce sale truc. Alors le problème, c'est que là, je les vois absolument pas. À l'attaque. Bien reçu. Donc si Chéri pouvait s'en débarrasser. À l'attaque. Bien reçu.
je vois absolument rien. Alors après, c'est pas forcément une obligation de tous se les faire, mais... Je préférerais me détendre là-dedans, au lieu d'être là à essayer de trouver ces trucs. J'ai dû bien énerver quelqu'un là-haut. Ouais... À l'attaque! Bien reçu! Ah bah s'ils font pas que voler, c'est... très bien. Il met du temps à mûrir. Bon, on s'est débarrassé d'eux, très très bien. C'est d'ailleurs un des types d'ennemis qu'on n'avait pas encore vu. Alors, une partie qui va être un peu longue, peut-être qu'on se fera en deux vidéos. C'est pas dégueu, hein. Un chariot là, ok. Ah. À l'attaque. Bien reçu. On a déjà vu des ennemis. Oui, effectivement, ça nous canarde. Ça nous tire dessus. À l'attaque. Ok. Ah. Il y a des choses à... Il y avait une herbe verte à dropper. Attends, on est revenu là. Ok, alors là, pourtant on a les indications à l'écran, mais non, mais là on revient carrément en arrière en fait. À l'attaque. Bien reçu. J'ouvre pour... Ah!
très très bien. Quelques munitions de magnum supplémentaires. Tout simplement voilà. On va juste utiliser un peu plus le à l'attaque. On va utiliser un peu plus nos petits trucs qui peuvent nous aider. Ce sera pas plus mal et puis on galère à moins quand même d'un côté. Donc le premier truc de données doit être ici. Ah bah des munitions pour le voilà. Alors ce petit truc il pourrait être donné sur moi. Hein. Encore deux. Dépêchons-nous avant que je sois sur place. Ah ouais, et puis là plus on va récupérer puis et plus des ennemis vont arriver. Suivons le chemin. Allez tout droit là-bas. Ah attends. Ah oui, c'est ah oui, alors eux, voilà. Ils peuvent se jeter comme ça. On va essayer de pas leur faire trop de dégâts. À l'attaque. Ah! Ah, salaud! À l'attaque! Plus tard! Commander, j'en veux pas. Par contre, là, je commence à perdre un petit peu en munitions. Il y a l'attaque. Plus tard. Ah, mais il y en a qui viennent de derrière, de devant, je sais où. À moins que on essaie de pas trop s'en occuper, en fait. Hein. À part les snipers là. Ah oui, il y a de l'auto-neige.
Ah zut. Ah, par contre, l'endurance. À l'attaque. C'est pas le bon moment. Wow. À l'attaque. Viens mourir à mes pieds. Ah bon, on était passé à côté sans. J'en ai une autre. Elle a pas l'air cassée. Ok, plus qu'une seule. Je parie qu'on va avoir un mal de chien à la trouver. À l'attaque. Plus tard. Alors on peut utiliser ça. C'est pas mal ça. À l'attaque. Ok. Ok, je l'ai pris, impeccable. On passe par là. C'est du tout droit. On va pas encore passer par là. Non, les bombes télécommandées, j'en veux pas. Ça sert tellement à rien les bombes télécommandées que. Là, on va encore avoir des cocons qui vont s'ouvrir. Ça sera au retour, je crois. Je l'ai. Est-ce qu'on a toutes les puces? Oui. Merci pour ton aide. Mettons-nous vite au chaud. Voilà, d'aveuglement. Pour le moment, on peut en récupérer. Bien que ça ne serve pas spécialement grand chose, mais. Mais ma foi, écoutez. Mais éventuellement, ça pourrait. Pour quelques munitions. Bon là les émirs on va pas s'amuser à se répartir. Là si on peut voilà, si on peut juste rush ça m'irait très bien.
tient toujours hein, là où il faut aller, le cap. Mais je crois que là il va y avoir pas mal d'ennemis, je crois qu'ils vont s'amener sur nous. Non, pas du tout. Après tant mieux hein. Tant mieux, tant mieux. Alors souvenez-vous que qu'on avait un cocon pas loin de l'entrée du sorte de chalet qu'il y avait. Alors. D'accord, donc il faut prendre l'échelle. Par ici. Ah oui, voilà, ouais. Il y avait la petite. Alors celle-là. Voilà, on va essayer de choper ce qu'il faut. Voilà. Il y avait la petite. La petite herbe verte que j'avais pas pu récupérer tout à l'heure et on avait vu qu'il y avait un ennemi. Dans le passage, mais là on va rusher. Hein? Ah oui, d'accord. Par ici. Par contre, on se traîne un petit peu. On va essayer d'accélérer au minimum. Je sais pas pourquoi il tourne la tête là, en mode comme s'il avait vu quelque chose. Ça va éclore. Là on s'en fout. Voilà. On perd pas de temps. Loin du point de rendez-vous. Toujours eu ça, ce pouvoir de guérison. Mon père était chercheur. Il travaillait sur ses armes quand j'ai été exposée. Par chance, on a pu m'injecter le vaccin avant qu'il soit trop tard. Mais en fait, le virus a muté et s'est adapté. Et depuis, il est en moi. Et ton père, alors? Ses recherches l'ont tué. Quand il est mort... Son corps avait tellement muté qu'il était totalement méconnaissable. Désolé. Je voulais pas te... Ça va. Au final, j'y ai quand même gagné quelque chose. Ouais, ouais, t'as des super pouvoirs. Non, je parle pas de ça. Les gens qui m'ont sauvé, Léon et Claire, ils sont devenus mes meilleurs amis. Claire, c'est la sœur du type du BSA. Ils ont risqué leur vie pour moi à Raccoon City. Je crois que... J'aimerais... Je voudrais suivre leur exemple. Ne jamais lâcher. Quoi qu'il arrive. En parlant d'arriver... Des invités. Ils ont
pas l'air d'être sur la liste. Voilà, donc petite séquence où on voit un petit peu le passé de Chiri qui nous raconte un petit peu. Mais nous, on verra ça, enfin on verra la suite dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, etc. Je vous dis à très très bientôt les amis, portez-vous bien.